Bonjour à tous, Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Je vais commencer la semaine tout de suite avec une petite voiture téléguidée qui m'avait été laissée là environ une semaine et demie. Puis là, avec tout ce qui s'est passé, je l'avais complètement oublié. On va regarder qu'est-ce qui arrive avec. En ce moment, il n'y a pas l'air d'avoir de batterie dedans, par contre. Parce que là, elle n'allume pas du tout. Y a-t-il un bouton en off, celle-là? Oui. Non, on va aller voir les piles pour commencer. C'est la première chose à vérifier. On va aller voir ça. Une batterie 9 volts. Il était là. Elle est à 9 volts. La pile fonctionne. Alors pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? Petite lumière, ça devrait allumer. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça devrait allumer. Pas grand-chose de spécial là-dedans, pourtant. Comme pas de bon sens, il n'y a rien qui allume. Coudon, c'est-tu la diode qui est sautée ou quoi? Et ça. Mais oui, hein? Ah! Le circuit est craqué. Je viens de voir ça. C'est pour ça qu'il ne marche plus. Fait qu'on va pouvoir y faire un petit pont. On enlève ça. Il va se mettre à remarcher. Wow! Je pensais que c'était un cheveu au début. Ben non, c'est le circuit qui est craqué. Il va falloir que je répare ces trois-là. OK. Qui va être bien réparé. Oui! Là, lui, les batteries sont faibles. Je l'ai vu partir, là. Mais les batteries sont bien faibles. On va l'essayer avec... j'en ai ici, là. Bon, ben, un autre de retour à la vie. Hey, ça arrête, ça, là.
On m'a mis yeux en plus. Image number one, juste à remplacer les batteries dedans. Merci, bonne fin de journée.